Carl avait la sensation de s'éveiller au milieu des ruines de sa vie. Son amour pour Juliette, disparu définitivement dans le temps, l'avait submergé et roulé pendant des années. À présent, il se sentait vide, sans passé ni avenir. Lui aussi avait voulu être quelqu'un. Il s'était persuadé qu'il vivait ailleurs, derrière la toile des tableaux, derrière les pages des livres ou les disques de phono. Il se rêvait en artiste. Mais il existait, comme tout le monde, comme les autres gens. Allô? Pas moins fort. Pas moins fort, je te dis. Hein? Quoi? Ah, mais je me réveille, là. Je me réveille. Et quelle heure? Non. Non, 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 c'est mort. Mais parce que j'essaye de faire une dépression, là, en fait. Ben, je sais, je suis désolé, hein. Démerde-toi comme tu pourras. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Bon, écoute. Tu sais ce que tu vas faire? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller acheter un tas de journaux. Et tu lis. Voilà, tu lis, quoi. Et puis, tu vois ce qui se passe un peu dans le monde. Ça va peut-être t'aider à relativiser. C'est où, déjà? Attends. Redis. Alors. C'est bon, j'arrive, tu m'as saoulé. Hey mec, t'as pas une clope, hein. Hey, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait du plomb que je t'attends. Quoi? Mais t'es en retard, putain! Ah bon? Non, je suis parti direct, moi. Après ton coup de fil, je suis parti direct, hein, 20 minutes. Y'a combien de minutes? En 20 minutes, allez, dépêche-toi, amène-toi là. Non, toi, viens. Moi, viens. Mais non, le café où je vais aller, il est par là-bas.
Oui, mais moi, le café où je veux aller, il est de mon côté. Bon, bah, j'arrive. Bon, merde, putain. Karl était mon frère aîné. Appartenant à la même famille, nous nous prenions chacun beaucoup trop au sérieux pour nous parler sérieusement. Ainsi, entre nous, nous quittions rarement un certain ton léger, nous interdisant par là même de faire le déballage de nos états d'âme respectifs. Une très vieille tristesse, née d'une ancienne génération de Damiani, avait fini par passer dans le sang de la famille. Chaque lignée a ses petites particularités, et la nôtre était un calme désespoir que nous voyions comme une supériorité sur le reste des hommes. Karl et moi avions ainsi hérité, dès notre naissance, d'une réelle aptitude au détachement, un certain masque de cynisme que nous promenions partout dans la vie. De toute façon, tout le monde joue un rôle avec tout le monde, et nous aimions mieux celui-là plutôt qu'un autre, qui nous serait moins gai. Bon alors ? Ah non, moi je suis bien plus malheureux que tous ces gens. Mais... Ben voilà, y a rien de très grave aujourd'hui, c'est ce que je disais. Comment tu veux qu'on se console avec ça ? Ah là, y a l'ouragan sur les îles. Oh non, ça, ils en ont tout le temps, ils sont habitués. Mal. Non. Et là. Non. Plus que moi en tout cas. Oui, c'est con quand même. Non, mais parce que moi j'arrive et il y a 2 heures que je sais que maintenant on me quitte pour un autre et je devrais avoir l'air absolument mal. Je devrais avoir l'air mal, quoi. Je suis mal. Ça y est, moi, c'est bon, je suis déterminé à mourir, ok? Attends-toi, est-ce que je quitte cette table, est-ce que je me fous dedans la flotte? Ok? Tu te calmes, arrête. Regarde, qu'est-ce que t'as là, oh? Tu te calmes ou quoi là? Je te comprends pas là. Mais bien sûr, tu comprends pas. Mais t'es juste médiocre en fait. Ah. Ouais, je suis médiocre. Ah, il est médiocre. Je suis médiocre. Ouais. Oh putain. Je suis médiocre, mais toi en fait? T'es quoi? C'est qui ce mec là? Tu fais quoi là? Allez, viens, on va en parler si tu veux. Bah oui, on en parle. Bah oui, on en parle. Ouais. Manon, elle est partie. Oh, c'est tant mieux. Je m'en fous. D'accord. Je m'en fous. Bon, okay, ça va, tais-toi. Chut. Non, mais non, pas de chute. Ok, non, pas de chute. J'ai besoin d'être aimé, moi. Ok, j'ai besoin d'être aimé. Et tant pis, je trouverai bien un autre qui m'aimera, moi, qui m'aimera mieux. Tu veux qu'on parle de quoi? Hein? De Juliette, encore? Tu vas pas passer ta vie à la pleurer. Tu vois des larmes sous mes yeux, là? Non. C'est le problème. Il devrait y en avoir. On doit toujours pleurer les morts. Toujours. Juliette est pas morte? Bien sûr qu'elle est. Elle est morte! Capoute! Canet! Il est temps de laisser la place aux vivants, maintenant. Allez, arrivederci, Karl. Eh, t'as pas une fille à voir? Eh, dis-moi. T'as pas une fille. Et peut-être que j'ai une fille à voir. Qui ça? Tu te souviens de la meuf du fleur? Oui, Marie, très bien. Eh ben, c'est pas elle. C'est une autre. Et celle-là, je te jure, elle est... C'est un peu Vénus, tu vois. Oui. Elle a
Le problème, c'est que je sais pas quel genre de gants prendre avec cette fille, tu vois. Je sais pas. Allez. Prends ceux de guerre. Les gants. Ceux de guerre. Ça, je vous laisse. Entre, viens voir. Viens. Attends. Il y a quelqu'un, je suis pas toute seule. Ah bon? Oui. C'est qui? Un type, tu connais pas. Tu veux voir? Non, c'est bon. Allez. Non, c'est bon. Viens. Je vais te laisser. Viens. Non. Viens. Voilà. Et du coup? Bah, ça fait 3 heures qu'il dort. Ah ouais? Ouais. Et alors? Bah, je sais pas, il veut pas se réveiller. Et qu'est-ce que tu fais là, toi, en fait? Moi? Ouais. Et moi, parce que, non, mais... Pardon. Ouais. Je vais t'expliquer. Attention. Bon. En fait, je voulais savoir si toi, là... Parce que, en fait, moi, j'ai l'après-midi de libre. Et je me suis dit, on pourrait passer un peu... Une partie de la journée ensemble. Enfin, la fin de la journée ensemble, si ça te dit. Enfin, si t'as envie, quoi, je trouverais ça génial. Ah. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Mais... Enfin, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il est bien, là. Il est paisible. On a qu'à le laisser. Tu crois? Ah bah oui. Mon avis, il va pas s'envoler, là. Ok. Ouais, hein. Bah, on y va. Ok. Ok. C'est parti. Go. Carl avait connu Sarah des mois plus tôt, après un concert qu'il avait donné avec son groupe au bar Supersonic, à Paris. Immédiatement, il lui avait semblé que leurs solitudes respectives étaient comme liées. En effet, depuis que Sarah avait eu 14 ans, on lui avait sans cesse répété que rien n'était aussi charmant qu'elle. Elle en était convaincue. Sarah déambulait ainsi, dans sa beauté, comme un enfant dans ses habits du dimanche. Mais elle croyait que ce trésor qu'elle possédait ne devait pas rester sans objet, inutile. Il lui semblait alors qu'elle devait vivre une grande passion. Hélas, à presque 25 ans, elle n'en avait éveillé aucune. Et cette pensée lui inspirait un vide si profond qu'elle passait parfois ses nuits entières à la recherche d'un refuge, au creux de quelques bras inconnus. Carl et Sarah se parlaient maintenant comme des acteurs. Ils le sentaient. Leurs paroles se coloraient soudain d'une tristesse élégante dont ils usaient pour s'épancher sur le conte de l'amour, de l'avenir ou de la façon de comprendre le bonheur. Carl espérait alors trouver suffisamment de cœur, de souffle pour lui dire «
comme une mauvaise mais indispensable réplique. Bon, Sarah, je suis amoureux de toi. Quoi? T'es amoureux de moi? Ouais. Ouais, je t'aime. C'est... Bah ouais, je t'aime. Mais t'es plus quand? Bah de... Je sais pas, de... De... Bah de... Je sais pas, depuis longtemps. Tu peux arrêter de rire, en fait. Pardon. Non, mais qu'est-ce qui est drôle? Bah c'est hyper gênant, là. Mais qu'est-ce qui est gênant? Parce que... Karl. Je te dis ça... Je n'ai pas besoin de grimper aux arbres. Ouais, tu t'es vexé, là, c'est ça? Ah, tu t'es vexé? Non, vraiment. Bah si, je le sens. Je le sens que tu t'es vexé. Bon, écoute, ça va, je viens de te dire que j'étais pas vexé. Mais pas bien, celle-là. Bah, je suis pas amoureuse de toi, Karl. Je vais pas faire semblant. Bah si. Si, parce que l'amour, c'est pas du tout cuit, comme ça. C'est... Ça, bon, écoute, tu veux faire l'amour avec moi? Maintenant. Ah non, non, non. Mais pourquoi? Bah parce que j'ai... Mais parce que... Enfin si, mais c'est pas... J'avais des trucs à te dire, en fait. J'ai écrit un truc. Ok, bah vas-y. Donc, chère Sarah... chère Sarah. Alors, chère Sarah... On ne s'est pas beaucoup rencontrés, c'est vrai. Mais j'ai encore en mémoire la première fois qu'on s'est vus. C'était comme si on se retrouvait. Comme ces gens qu'on reconnaît parce qu'on est destiné à les aimer, à les garder dans nos vies au bout d'un chemin. Est-ce que tu sais combien de fois j'ai entendu ce refrain? Eh ben je sais, ça va. Tu dis ça là, tout ça là, mais t'en penses pas un mot, pas un seul. Tu dis tout ça là, mais t'en penses pas un mot, pas un seul. Parce que si t'étais aussi amoureux de moi que tu le dis, tu serais prêt à tout pour moi là. Tu serais prêt à te jeter à l'eau là. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Pas vrai? Karl? Ah. Je ne connaissais pas vraiment l'amour. Peu de temps après, j'en souffrais. Et c'est la seule manière d'apprendre à le connaître. C'est Goethe qui a dit ça. Tu vois? Waouh! Putain, mais qu'est-ce que tu... Mais c'est... Tu vas faire quoi, là? Tu vas sauter pour le récupérer, c'est ça? Hein? C'est pas dans les livres qu'on apprend à aimer, Karl. Je sais, d'accord? J'ai déjà aimé. J'ai déjà aimé, moi. Combien de fois? Bah, je sais pas. Deux fois. Trois, peut-être. Elles sont où, ces personnes, maintenant? Je sais pas où elles veulent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Regarde. Je te demande si t'as déjà aimé. Tu me réponds comme un touriste à qui on demanderait s'il est allé à Londres ou à Barcelone. Et qui dit rien en se vantant. Oui, oui, j'y étais. Tu pensais aller où, maintenant, monsieur le touriste? À Venise, c'est ça? Et que c'est moi, ton Venise, hein? Vas-y, saute là, va le récupérer ton livre. Bah, je vais y aller, hein. Je le vois même plus. Il était complètement taré. Hein. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je t'en garde. T'es laide. T'es ignoble. T'es moche. En fait, tu devrais te jeter dans la flotte. Ça aiderait tout le monde, tu vois? On n'a plus besoin de toi. Vas-y, saute, mange du gravier et pends-toi. Pends-toi sur le pont là-bas. Bon, je vais y aller. Il doit être réveillé maintenant. Ah oui. Bon. Du coup, ta proposition de faire l'amour, ça tient plus ?